Salut Ahmed, comment tu vas ? Salut, je vais très bien, merci. Comment tu te sens à l'approche de ce combat de championnat ? Je me sens très bien, j'ai fait le poids, tout va bien, alhamdoulilah, ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être l'un des premiers à combattre pour la ceinture des poids moyens d'Arès et d'ainsi entrer dans l'histoire ? Est-ce que c'est un combat comme les autres ou c'est vraiment un combat où tu l'as préparé avec beaucoup de pression ? Déjà, ça fait plaisir d'être ici, à Arès. Bien sûr que ce combat il est plus important que les autres parce qu'il y a de ceinture. Et voilà, au niveau de préparation, je me prépare sérieusement tous les combats. Et voilà, pour ce combat, j'ai donné plus qu'il faut. Et c'est bon. On a préparé avec Nasruddin, avec Tourpal, avec Boulox. Avec notre coach Fernand Lopez. Merci à tout le monde. C'est bon. Ton adversaire, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de trash talk, a déclaré dans l'Amdid qu'il comptait te mettre KO avec un uppercut. Qu'as-tu à répondre à ces propos piquants? Je peux que rigoler, tu vois. Je peux dire qu'est-ce qu'il veut, mais dès que samedi, là, cage il sera fermé, on verra. On verra, tout simple. On a vu dans l'Amdid que tu t'entraînais avec des combattants qui étaient vraiment plus grands et plus longilignes que toi, hein, des Paulin, Bégaï et d'autres. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Et penses-tu que ça te donnera un avantage certain demain dans la cage face à Galindo? Bien sûr. Je tourne tous les jours avec des monstres comme Nasruddin Imavov, comme Bégaï. Comme Cyril, comme Alan, comme les autres, Tourpal, tous les combattants à la salle, ils sont vraiment. Chez nous, on a des vrais monstres. Et je suis habitué à faire tous les jours sparring avec eux. Ça changera rien du tout au combat. Enfin, l'une des dernières questions, est-ce que tu peux nous donner un petit, on va dire, pronostic? Est-ce que tu penses que ce combat-là va aller à la décision ou tu vas vraiment viser le finish pour ce combat-là? Je vais faire tout pour pas aller jusqu'à décision. Et je pense que ce sera une submission. Submission, oui. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et autres? T'as ça? Oui, bien sûr. J'ai Instagram, c'est mon nom et prénom. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, Ahmed. Merci, frère. I'm so mean, I make medicine. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.